c'était un peu comme une évidence parce que j'ai toujours beaucoup aimé l'art et j'ai toujours dessiné. Enfin, moi, depuis le collège, vraiment, j'ai toujours voulu faire quelque chose d'artistique. Et après, ça s'est affiné au fur et à mesure des années parce qu'au début, je voulais partir dans la mode, mais bon, ça a changé. Mais c'est toujours quelque chose qui a été un peu comme ouais, une évidence, quoi. Du coup, moi, j'ai fait aucune prépa. Je viens d'une terminale L avec option art plastique et spécialité histoire de l'art. Comme conseil, je donnerais surtout d'expérimenter cette année parce que même si je sais que la terminale, c'est assez difficile et qu'on n'est pas forcément à même d'avoir les moyens financiers de s'acheter de la peinture à l'huile et des super caméras pour faire des photos. Et même avec nos propres moyens, il faut vraiment expérimenter dans tous les médiums, de vraiment toucher à tout. Et comme ça, vous pourrez présenter à votre concours d'entrée et aussi de rester soi-même. Surtout à l'entretien, vraiment, restez vous-même et ça passera. La première année, on nous demande de toucher vraiment à beaucoup, beaucoup de choses. C'est très pluriel. Comme ça, ça nous permet de découvrir un peu tout. On fait du volume, quelque chose que, à mon avis, beaucoup de candidats ne peuvent pas faire parce que c'est quand même assez encombrant. Ici, il y a tout un atelier volume, on a tout le matériel pour faire de la vidéo, des fois de la photo, enfin, vraiment, on touche à tout. Et c'est assez familial aussi parce que comme on est une petite école, on se connaît vite tous, enfin, même dans la classe, ce sera la même taille de classe qu'au lycée, on est à peu près une trentaine. Donc on finit par un peu tous se connaître et se donner des astuces et faire des choses ensemble. C'est un peu comme des ateliers où on est avec un intervenant qui est souvent un artiste qui est extérieur à l'école. Donc en gros, il y a un projet avec un petit résumé de ce qu'on doit faire dans le projet. Et l'artiste, il est là pour nous épauler et pour nous aider dans l'aboutissement du projet. Et c'est pareil, ça touche à tous les médiums. On en a beaucoup proposé et souvent on est mélangé avec d'autres AD, donc c'est assez sympa parce qu'on peut rencontrer les années 5, les années 2 et tout ça, et même créer des liens entre les années d'amitié ou quoi, c'est vachement sympa.